Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais vous allez voir, ici on va parler surtout de l'utilité du masque de calque. Donc, d'abord fermons ici cette petite image et allons ouvrir notre image pour le tuto. Voilà. Alors, vous allez voir l'utilité aussi de toujours faire une copie de votre image d'arrière-plan. Sur Affinity, il suffit simplement de faire CTRL-J, vous appuyez sur la touche CTRL et J, et vous dupliquez votre image. Alors, ici dans ce tuto, je sais que je vais employer l'outil qui est brosse. Oui, l'outil pinceau. L'outil pinceau, si je clique dessus, oui, j'ai ma brosse, vous voyez ici sa taille, et je peux diminuer sa taille avec des raccourcis, ce qui est important. Comment utiliser ces raccourcis? Mais il suffit, toujours par rapport à l'outil que vous allez employer, d'aller dans Édition, dans Préférences. Vous voyez ici, raccourci clavier. Vous voyez qu'ici, il y a Photo et Fichier. Vous cliquez ici, dans le menu déroulant de Fichier. Vous descendez, vous voyez, Outil pinceau, vous avez plusieurs sélections, hein, vous voyez. Donc ici, je sais que je vais employer l'outil pinceau, je clique dessus. Et j'ai mes deux raccourcis, vous voyez, augmenter la taille du pinceau. J'ai cliqué sur mon clavier la touche A, et pour la réduire, la touche Z. Ayant un clavier AZERTY, mais ils sont l'une à côté de l'autre. Donc beaucoup plus facile pour l'utilisation. Donc je ferme. Donc ici, vous voyez que j'appuie sur la touche Z, je diminue, et sur la touche A, j'augmente. Voilà une bonne chose. Alors, l'utilité maintenant... Je vais cliquer là-dessus, voilà, pour que je n'ai pas l'outil pinceau qui vient. L'utilité d'avoir toujours une copie, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut, enfin, ce qu'on veut dans l'utilité, bien sûr, et par rapport à ça, travailler ensuite avec un masque de calque. On va donner un exemple. Je suis sur ma copie, je vais aller dans Filtre, un exemple. Je vais aller dans Distorsion, et je vais faire, par exemple, Ondulation. Vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et je m'amuse. Vous voyez, c'est tous des petits exemples. Hein. Qu'est-ce que ça va me permettre? Alors, je vais annuler. Je vais prendre un autre filtre qui est le flou. Flou, voilà. Oups, pardon. Flou, et je vais prendre Zoom Flou. Oui, possibilité déjà que vous avez, si j'augmente, comme si c'est vraiment étiré, oui, ça a l'air pas mal. Oui, ici l'effet que cela donne, je vais l'appliquer. Alors, en sachant que mon arrière-plan, il est net, et que j'ai fait une copie avec ce filtre, je vais créer un masque de calque, voilà l'utilité du masque de calque, en cliquant ici sur le petit pictogramme masque de calque. Voilà, je vais ouvrir la flèche, et je suis bien sur mon masque de calque ici. Si je prends maintenant l'outil brosse, l'outil pinceau, vous voyez que ça fait son apparition. Pourquoi? Voilà, je vais ici... cliquez sur le noir, voyez, en premier plan c'est le noir, qui donne de la transparence dans mon masque de calque. Si je mets en blanc, il ne se fait rien, puisqu'il met de l'opacité sur de l'opacité. Donc, je reviens bien en noir, et là je peux m'amuser, toujours en ayant, regardant la dureté, le flux, l'opacité. Si vous voyez que vous ne voyez pas l'image apparaître par rapport à votre brosse en étant sur le noir pour faire son apparition, regardez si l'opacité est bien à 100%. Enfin voilà. Donc ici, je peux m'amuser, par exemple, à peindre. Oui. C'est un exemple. Vous voyez l'utilité de créer une copie de votre arrière-plan et jouer sur ses effets. Et puis, employer, bien sûr, le masque de calque. Je vais faire un CTRL-Z. Ceci est un exemple
avec la brosse, enfin le pinceau, le CTRL Z, voilà. Je peux aussi employer, par exemple, en sachant cela, l'outil dégradé. Si je clique dessus, si je viens avec mon curseur, vous allez voir que, vous voyez, j'ai un petit, vous voyez la ligne verte qui vient, la ligne verticale. Pourquoi? Parce que voilà, justement, ici, j'ai le magnétisme qui est activé. Donc, je sais que là, je suis au milieu de mon image. Et si je descends, je suis bien au centre. Là, je fais un clic, je reste appuyé et je tire mon dégradé. Vous me dites, Pierre, je ne vois rien. Alors, analysons un peu la scène. Vous voyez que ma barre de dégradé se compose d'un point ici, qui est le point blanc, et ici, un point qui est le point gris. Et au milieu, j'ai une barre qui me permet d'avancer sur cette ligne. Alors, allons voir par exemple ici, le point blanc. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai le blanc qui apparaît. Le blanc représente quoi? L'opacité. Donc, il garde l'image en flou. Donc, je dois lui donner de la transparence. Donc, en étant sur le blanc ici, je prends mon curseur et je vais le mettre. Je clique dessus et je vais sur le noir. Vous voyez? Je peux jongler. Vous voyez? Regardez mon image. Je viens vers le blanc et vers le noir. Là, je suis en noir. Je suis bien en transparence complète. Vous me dites, oui, mais Pierre, attendez. Il y a tout qui part ici en net. Oui, attendez. On y vient tout doucement. Et puis, je me dis, tiens. Vous voyez qu'ici, je viens avec mon curseur sur le gris. C'est bien la couleur gris. Si je clique dessus, vous voyez que c'est le gris qui apparaît. Ce n'est pas en gris que je dois le mettre, mais bien en blanc. Parce que si je le mets en noir, j'ai de la transparence partout. Donc là, je viens le mettre en blanc, complet. En opacité, pour reproduire le flou qui était sur mon image. Vous me dites, oui, mais comment maintenant ici, arriver à faire le contour en flou et le centre en net? Nous regardons d'abord comment est fait le dégradé. Vous voyez qu'il est fait en linéaire. Donc, allons voir ici, linéaire. Je clique dessus et je mets en radial. Vous voyez? Là, automatiquement, je peux jongler maintenant ici avec la longueur de mon flou et de ma netteté. Vous voyez? Ou jouer ici avec la barre pour diminuer ou augmenter sa netteté. Vous voyez? Je me dis, ok, je suis satisfait comme ceci, par exemple. Là, je peux faire entrer mon clavier. Ça ne change rien. Je clique simplement sur un autre outil. Voilà. Qu'est-ce que cela me permet en étant encore toujours sur mon masque de calque? Je peux travailler ici, par exemple, sur mon image. Je clique sur mon image. Il active les deux, c'est-à-dire mon masque de calque et mon image. Je peux retourner toujours dans mes filtres. Là. Je peux aller dans distorsion. Et je peux aller, par exemple, dans tournoiement. Là, vous voyez? Je peux encore m'amuser avec l'angle. La longueur. Le rayon. C'est tous des petits exemples. Là. Je peux faire l'appliquer. En étant sur mon masque de calque, je clique dessus. Je sais que je vais mettre de la transparence si je peins en noir. Donc, je vais chercher ma brosse. Là, je regarde sa taille. Et je peux venir ici, faire apparaître mon arrière-plan. Par exemple, dans les coins. Voilà, ce sont tous des petits exemples. Voilà, j'espère que ce petit tuto court, mais qui peut être très intéressant. Voilà, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous, bon amusement.